Nos poètes finirent par faire jaillir de ce chaos de sentiments, de ressentiments et de passions la matière d'une idéologie qu'ils dénommèrent l'indigénisme ou l'haïtianisme. Que doit-on entendre par ces termes et surtout par le dernier, qui est un néologisme? Rien d'autre, si ce n'est que la littérature haïtienne doit pouvoir exposer, étudier, définir les problèmes de l'homme haïtien de telle façon que soit établi que ce spécimen de l'espèce humaine est un produit spécifique du milieu qui l'a formé. Il porte l'empreinte des conditions historiques, sociales, économiques, voire du paysage géographique qui ont fait de lui ce qu'il est, un homme, chargé d'offrir aux autres hommes, ses semblables, le stigmate des défauts autant que le bénéfice des qualités inhérentes à toute nature humaine. Donc, désormais, l'art haïtien exprimera en panache toute la substance originale et féconde de notre folklore, poésie, prose, musique, peinture, sculpture, architecture.